Bonjour cette équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous déballer la stream cam. Logitech m'a envoyé cette stream cam. Ça tombait bien en plus parce que je devais donner un cours via Zoom. Sur mon PC, j'avais pas de caméra. Ça tombait à pic. Donc allons à l'essentiel et on va déballer tout ça. Petit carton, très beau, très joli. Je vous mets ça là, joliment. Tac, tac, tac. Alors, la caméra, voilà à quoi ça ressemble. Je vais enlever tout ça. Étant donné que je l'ai déjà utilisé, j'ai dû la remballer pour faire cet unboxing. Je l'ai remballé, je pense pas de la manière adéquate. Voilà, voilà. Avant de vous montrer la caméra, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, les papiers usuels, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est excellent, en fait. Ça vous permet de mettre ça sur un trépied, en fait. Vous pouvez utiliser même votre caméra sur un trépied avec le... Comment on appelle ça? Le truc universel pour visser, voilà. Pas de vis. Pas de vis, merci. Donc, la caméra. La caméra, comme vous voyez ici présent, elle est en blanche. À savoir qu'il y a aussi d'autres couleurs. Il y en a une couleur un peu grise, disons gris foncé. Alors ça, pour vous dire, parce que je l'ai essayé justement quand j'ai donné mon cours, vous avez ce petit support qui vous permet vraiment de placer la caméra sur votre écran. Concernant le câble, vous avez un câble de 1,50 m qui est en USB-C. Faites attention parce que si vous avez un PC, faites bien attention que vous ayez un port USB-C. Si vous vous attendiez à retrouver une caméra avec un port USB normal, c'est mort. Elle filme en 60 images par seconde en Full HD. L'avantage, en fin de compte, c'est qu'il y a pas mal de choses qui est automatisé. La mise au point est automatisée, l'exposition est automatisée et le cadrage aussi est automatisé. L'avantage qu'il y a, c'est que voilà, vous n'avez pas besoin d'être un expert en cadrage, en vidéo, etc. La caméra gère tout. Il y a un micro intégré. J'ai fait mon cours directement avec le micro de la caméra et ça marchait super bien. L'avantage qu'il y a, c'est que vous avez la caméra et le micro tout en un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, vous pouvez la poser en vertical. Comment tu enlèves ça? Ah ouais, voilà. Tu déclipses, hop. Et vous le remettez comme ça. Logo Logitech, il est juste en dessous. Vous pouvez filmer en vertical, qui est excellent si vous faites du TikTok ou l'Instagram Story. Je vais vous parler aussi d'une application qui s'appelle Logitech Capture, qui vous permet justement de rajouter pas mal d'options, des filtres. Vous pouvez régler justement la qualité de l'image. Elle est compatible avec tous les outils au-delà de Logitech Capture, comme OBS, pour gérer les streams, etc. Ouais, mais elle n'est pas en 4K. Frérot, si tu fais du stream, 4K, ça sert à rien. À part si tu as un ordi de compétition et une bande passante de compétition, 1080, c'est nickel Brunel. Pour terminer la vidéo, elle coûte 179 francs sur le site de Logitech. Si vous allez sur Top Riser, la moins chère que vous pourrez trouver, elle est à 158 si je me trompe pas. Que ça soit pour du stream, que ça soit même, vous devez donner des cours via Zoom, Skype ou peu importe. Franchement, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle marche super bien. Alors, je vous souhaite un bon déconfinement. À la prochaine. Tchuss.